Et salut à tous, on se retrouve pour un nouveau petit épisode, un petit passage du coup au Geek Days de Brest. On va faire un petit tour, voir un peu tout ce qui se passe, essayer des interviews et prendre ça tout en direct, c'est le défi de la journée. Ouais, on se retrouve à Brest pour le Geek Days ce week-end, donc du samedi au dimanche. Donc on a ramené quelques petites machines comme à notre habitude. Donc là on va avoir 4 bornes, donc 3 Candy Cab, Blast City, New Astro City, une Unet City, et on a ramené aussi une borne HD, ce coup-ci, une Lindbergh pour des jeux plus modernes, un bar top MVS et une énorme borne double là, Versus City. Donc on est arrivé vendredi soir pour poser tout ça. Quelques petites frayeurs comme d'habitude quand on bouge les machines, dont ce matin un des deux écrans de la Versus City qui démarrait plus. Et on a réussi à le remettre en marche une seconde avant l'ouverture des portes, donc c'était que du bonheur au final. Et voilà, on a pas mal de membres de notre staff qui sont venus nous prêter main forte parce qu'on a pas mal de monde. Et comme aujourd'hui, on est en open space, en plein milieu du truc, on a l'obligation de faire attention, de filtrer, parce qu'il peut y avoir beaucoup de monde qui arrive d'un coup. Donc on est obligé de vraiment faire attention aux machines pour la pédagogie déjà dans un premier temps. Quand il y a des jeunes enfants ou des gens qui n'ont jamais connu l'arcade, il faut leur expliquer comment ça fonctionne. Ça arrive même que des fois un joueur se mette sur une machine et n'a pas compris qu'il faut appuyer sur Start pour lancer la partie. Donc des petits détails comme ça, de faire de l'accompagnement. Mais bon, c'est que du bonheur puisque ça ne désemplit pas. Alors, je sais que tu étais déjà venu très gentiment me faire une interview dans ma salle d'arcade éphémère que la mairesse de Morlaix à l'époque, Madame Lebrun, m'avait permis d'avoir en hypercentre de Morlaix. C'est une période fantastique. J'avais déjà pu remarquer cela, c'est-à-dire que des enfants viennent, n'ont jamais connu l'arcade puisqu'ils sont nés après les années 2000 et accrochent immédiatement avec des fois beaucoup de talent à la clé parce qu'ils ont une adaptation folle. Donc il y a tout, je ne dis pas que ça va être 100% des enfants qui vont adhérer, il y en a plein qui vont se dire je retourne sur mon FIFA ou mon Call of Duty. Mais il y en a aussi une énorme partie qui vont être sous le charme de l'arcade très rapidement et vraiment sortir des belles prouesses pour quelqu'un qui apprend à peine à se servir d'un stick arcade et de boutons arcade. Bon, du coup, pas mal de choses au niveau du jeu vidéo. On a un très gros stand de jeux, des jeux indés, enfin non pas de jeux indés, mais des jeux qui sont rétro gaming. On a du coup la Force Attack que vous venez de voir. Et il y a aussi des stands avec des tournois qui sont organisés sur pas mal de jeux. Aucun qui moi m'intéressait à participer, mais du coup on continue le tour avec un invité sur place que j'ai pu rencontrer et que je vous partage tout de suite. Qu'est-ce que tu fais sur l'event? J'ai fait l'andouille. Je suis venu faire l'andouille au Geek Days. En fait, moi, ce que j'aime sur les salons, c'est rencontrer les gens qui me regardent depuis qu'ils sont tout petits, pour certains à la télé. Ils me regardent parfois avec leurs enfants maintenant. Donc, c'est plus de 30 ans que je fais ce métier. Donc, à force, les gens se sont attachés à moi de manière assez étonnante. Donc ce que j'aime, plutôt que faire des dédicaces où tu es juste derrière une table et tu vas signer et passer très vite au suivant parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend, j'aime installer, comme tu le vois, un petit décor un peu sympa. On a un canapé moelleux, on a une petite borne d'arcade pour faire patienter les gens qui viennent me voir. Et on fait en sorte d'accueillir chacun comme s'il venait dans mon salon pendant quelques minutes. J'ai écrit des livres sur les histoires du jeu vidéo, j'ai fait une bande dessinée, je dédicace tout ça. Souvent les gens m'amènent des vieilles consoles, j'adore dédicacer des vieilles consoles. Un bout de papier, n'importe quoi. L'idée, c'est de se parler quelques minutes entre geeks. Et voilà, et je fais ça toute la journée, pendant tout le week-end, pour essayer de voir tous les gens qui ont envie de me rencontrer de cette façon-là. Plus quelques passages sur scène. Là, je viens d'affronter Brest sur Soul Calibur. Ils m'ont un peu mis la misère. Ça a fini, j'ai joué contre le Capitaine Haddock, parce que j'ai customisé les personnages de Soul Calibur. Et voilà, j'aime bien faire ce genre de petits événements. C'est assez rigolo, c'est surtout la rencontre avec les gens qui m'intéressent et l'interactivité. Donc ceux qui ne peuvent pas me voir ici en vrai, les yeux dans les yeux sur le petit canapé, ils vont au moins me voir sur scène, voire monter sur scène pour m'affronter. Et je sais que beaucoup de joueurs aiment ça. Donc, ouais. Et tu fais souvent des events de ce type-là? Assez régulièrement, oui, au moins deux fois par mois en moyenne. Si j'essaye, j'ai un petit gars qui a 5 ans, une petite femme adorable, donc j'essaie de garder un peu de vie privée, de ne pas me barrer tous les week-ends pour geeker, mais... Il y a des salons maintenant tous les week-ends, donc je suis obligé de vraiment de choisir et de sélectionner et de me limiter à deux par mois, quoi, voilà. Mais sinon, je suis aux quatre coins de la France, on était à Valence il n'y a pas longtemps, je vais aller au Toulouse Game Show bientôt, voilà, ça s'arrête. Et la Bretagne, du coup, il y a quoi en plus par rapport aux autres? Alors déjà, ça faisait longtemps que je voulais venir en Bretagne, parce que les Bretons me réclamaient. Je vais beaucoup dans le sud, beaucoup dans le nord, il y a beaucoup de conventions dans ces régions-là.
Et en Bretagne, il n'y avait pas grand-chose, donc je suis content que les Geek Days prennent les choses en main. J'étais venu à Rennes il n'y a pas très longtemps, donc je me rapprochais, j'avais commencé par Nantes, je sais que c'est pas tout à fait en Bretagne, ensuite Rennes, et maintenant Brest, le cœur de la Bretagne, vraiment. Donc je suis très content de pouvoir venir là. Les gens sont adorables, mais j'ai l'impression que c'est un peu un truc international chez les geeks, quelle que soit la ville où tu vas. C'est des gens curieux, bienveillants, ouverts, sympas. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Après, je trouve qu'il y a un gros level de cosplay. J'ai vu des cosplayers vraiment avec des trucs vraiment magnifiques. Une bonne ambiance, vraiment détendue, sympa. Voilà, c'est comme ça sur beaucoup de salons. Et là vraiment, on est bien en Bretagne. Ouais, comme l'a dit Marcus, effectivement, il y a beaucoup de cosplay, vraiment sympa. En revanche, on va avoir un stand qui m'a vraiment interpellé, c'est le suivi des SOS Phantom France, dont je vous propose quelques images. Il y a beaucoup d'objets collecteurs, vraiment à fond. Ils sont top, vraiment très accueillants. Ils ont une quantité d'objets collecteurs vraiment superbes, avec le pack de protons qui est à tomber. Vraiment, j'espère avoir l'occasion de retravailler avec eux. Ce sera super cool. Mais tout de suite, on va faire une petite parenthèse culture avec l'Escala Manga que je vous propose de découvrir, qui est un magasin brestois et qui fait vraiment des trucs très sympas. J'aime bien mettre en avant les commerces locaux, c'est super important. Et également une maison d'édition, tout un groupe de pirates qui s'est présenté et que je vous propose aussi dans la foulée de vous montrer. On est super content de participer au Geek Day, c'est la première année que ça a lieu à Brest. On était tout énervés à l'idée qu'il débarque chez nous. On propose pas mal de figurines et de mangas, parce que nous, c'est notre cœur de métier, on est libraire depuis 26 ans sur Brest. Et la boutique manga existe depuis plus de 15 ans. Voilà, ça fait plus de 26 ans qu'on consacre notre vie aux livres et aux histoires dessinées. Il y a 25 ans, le manga n'était pas perçu comme il est perçu aujourd'hui. Nous, on a essayé de travailler pour que ça soit mis en valeur à Brest. Et donc, voilà, c'est super de voir des événements comme ça arriver parce que c'est hyper festif, les gens sont hyper sympas, il y a plein de déguisements et c'est vraiment génial. On est super contents. On retrouve nos clients qui viennent régulièrement, donc c'est sympa. On a essayé de leur trouver des petits collecteurs, surtout en figurines et en produits dérivés. On les a gardés pour l'occasion aujourd'hui. Donc voilà, puis de rencontrer des gens et de participer un petit peu. Moi, je suis en train de me dire que l'année prochaine, ce serait bien que je sois en cosplay. Je vais peut-être aller faire des courses pour m'équiper pour l'année prochaine. Je suis le capitaine Béa Plume d'Encre. Je suis éditrice au sein de la maison d'édition Plume d'Encre, mais également quartier maître au sein de l'île maudite qui se trouve ici, qui comprend la taverne maudite, les éditions Plume d'Encre, ainsi que des artisans du cuir, des tricorniers, des couturiers, etc. Donc moi, je m'occupe essentiellement de la maison d'édition et également du pôle dégustation de boissons. Et au sein de la maison d'édition, on a de la fantaisie, comme avec mes ouvrages qui sont ici, mais aussi de la poésie, des artbooks pour permettre de voyager et vous faire voyager à travers plein de monde. On bouge à travers toute la France, quasiment tous les week-ends, parce qu'on n'a pas de pôle fixe, en fait. On est vraiment au sein d'une entreprise ambulante. Et donc là, on voyage à travers toute la France, à la fois en Bretagne, dans l'Est, et même maintenant, on commence à aller dans le sud de la France à travers des salons geeks et même des salons du livre. Ah, le contact avec les gens, ça se passe très bien. Comme vous voyez, on est en pirate. Les pirates, ça fait toujours rêver, les plus grands et les plus petits. Donc le contact avec les gens, ils adhèrent et ils adorent. Ils aimeraient avoir une structure fixe à la limite dans toute leur ville. Mais ça, on ne peut pas le faire, on ne peut pas se dédoubler, se détripler. Donc c'est pour ça qu'on voyage à travers toute la France. Et on arrive à la fin de l'épisode. Du coup, bah, c'était super cool de faire ce petit reportage sur les Geek Days à Brest, en local pour moi. Et je vais vous faire du coup, bah, vous proposer la conclusion. Mais c'est pas moi qui vais conclure, c'est l'interview d'un invité qui était sur place, qui a été super accueillant, et ce sera lui le mot de la fin. A plus à tous, ciao. Aujourd'hui, je suis invité donc à Brest pour les Geek Days de Brest, et je suis très très content parce que c'est la première édition, et donc j'ai la chance d'avoir été invité aux Geek Days de Brest parce que j'ai un petit peu l'habitude de suivre l'équipe des Geek Days. Et donc, pour cette première édition, je viens pour présenter un peu le métier à la fois de comédien, de doublage, comédien en règle générale. Je viens aussi pour parler soit de mon actualité, soit des projets que j'ai un petit peu dans, dans,
dans l'année, et avec mon copain Francky qui est juste derrière à la caméra, des interviews et répondre aux questions des fans qui se posent dans toute la France entière, mais qui nous posent toujours les mêmes questions, et que c'est très intéressant de pouvoir essayer d'y répondre et d'être proche des gens et de partager un moment de bienveillance, de tendresse presque, parce que les gens ils disent encore une fois qu'ils nous aiment beaucoup. Donc voilà, je suis très content d'être à Brest. En plus, moi j'adore la Bretagne. Je suis passé parce que je suis du sud-ouest profond, mis en plage forever. Et donc, voilà, je suis super content d'être là. J'adore. Même quand il pleut, je trouve ça beau ici. Donc voilà. Mais d'abord, ce qui m'étonne surtout, c'est que je vois bien qu'il y a une sorte de level-up, je dirais, d'année en année, où les gens, ben, je suis assez étonné. Bon, après, j'ai fait des gros trucs aussi, mais le fait de rencontrer des gens qui, de toute façon, t'arrêtent toutes les 1 minute, pas 1 minute, c'est toutes les 20 secondes pour faire des photos. Bon, a priori, ils te connaissent de quelque part. Mais ce qui est vachement bien, c'est vraiment d'avoir un contact direct. Nous, d'habitude, on a le médium de Facebook, de TikTok, de YouTube, de la télé, enfin tout ce qu'on fait. Et les gens nous voient à travers des écrans sur leur tablette ou sur leur PC ou Mac. Et donc là, on les rencontre en vrai et ils expriment toujours ben, de l'amour pour notre travail, à tous les comédiens et tous ceux qui font des choses créatives, je dirais. Et donc voilà, donc c'est ce qui est vraiment bien, c'est d'avoir de. Il n'y a plus de filtre entre les fans et nous. Et on peut dire qu'on peut leur dire aussi qu'on est un peu fan d'eux et de leur manière de recevoir notre travail. Quoi. Bah après, on a fait des conférences, encore une fois, Francky a très bien mené l'interview, je ne dis pas ça parce qu'il est là, il est un pote. Non mais c'est-à-dire que quelque part, ça veut dire qu'il permet. Ça m'a permis de. Parce que d'habitude, on nous pose toujours des questions, vraiment toujours les mêmes, un petit peu en rapport. Quel est votre rôle principal? Qu'est-ce que vous avez aimé faire? Mais si on nous permet à un moment donné de développer pourquoi on fait ce métier-là, quel est le sens créatif intérieur de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on est en tant qu'être humain, au-delà d'être un acteur, déjà on est des êtres humains et des hommes ou des femmes. Donc quelque part, qu'est-ce qui nous pousse à faire ce métier ou en tout cas se mettre en danger parfois? Donc ça veut dire que les questions les plus intéressantes, moi c'est là où je réagis toujours très vigoureusement et avec beaucoup de plaisir à faire, c'est de répondre au pourquoi de ce qu'on est dans notre vie, quoi. Et donc qu'on soit un artiste, un comédien de doublage, qu'on soit un chapelier ou qu'on soit un garagiste. L'idée c'est quand on fait une conférence comme ça, comme on l'a fait tout à l'heure, ça permet vraiment de par le biais d'une question qui peut être anodine, de toujours revenir à la base de ce qu'on est, de notre vie en règle générale. Et moi j'aime bien, parce que les gens viennent ici, ils sont fascinés encore une fois par ce qu'on fait, le produit, la manifestation de notre créativité. Mais ils ont la même, je disais ça tout à l'heure, ils ont la même, chacun a la même en soi. Donc ça veut dire que ce qui est intéressant dans la conférence, c'est de dire ben, soyons pareils, je peux être un exemple sur certains trucs, soyez un exemple pour vous-même ou pour les vôtres dans votre vie. Et ça, ça veut dire qu'on prend le temps d'expliquer cette notion-là. Ce n'est pas qu'une question de c'est quoi encore une fois votre rôle principal. On répond à ces questions-là. Mais dès qu'encore une fois on va derrière et qu'on dit c'est quoi votre rôle principal, j'aime bien qu'on dit c'est quoi le rôle principal que vous faites dans votre vie. Le rôle principal, moi, c'est d'être papa, d'être créateur, c'est d'être inspirateur, et pas aspirateur, merci, et d'être inspirateur de mouvements créatifs pour que les gens, on se quitte au bout du week-end et s'il reste des mots qui disent « Ah ben tiens, je vais essayer d'être un peu plus heureux ou de faire attention à ma manière de penser pour que ma vie change un peu ou que je sois un peu plus harmonieux dans ma vie, j'aurai réussi mon week-end. Voilà. » Dans la phrase de fin qui sera ce soir, donc l'important, il faut savoir Jean de Brest, il y a ici un dicton qui est très important, qui est très facile à comprendre. Il faut l'utiliser pour vous dans votre vie, c'est très important. Francky est tout à fait d'accord avec moi. Ce dicton, c'est « Chantons le bœuf en daube, de minuit jusqu'à l'aube. » Ça veut rien dire.